Si tu as tendance à mettre ton attention dans le futur par cause à effet, ça va emmener à l'intérieur de toi un sentiment d'anxiété. Cette anxiété-là, par cause à effet, va finir par amener des crises de panique et différents schémas qui vont venir s'installer. Pour l'instant, il faut que tu comprennes que si ton attention, ta conscience est dans le futur, en train de planifier, organiser, structurer, essayer de deviner, s'assurer que tout soit parfaitement bien organisé, hein? Ou sur toutes vos peurs, hein? Peur de pas être assez, peur de manquer d'argent, peur de prendre la mauvaise décision, peur de passer à côté de quelque chose, peur de te faire rejeter, peur de faire critiquer, peur de te faire juger, peu importe. Toutes les peurs sont que pure illusion de l'esprit. Si tu as tendance à mettre ton attention sur les peurs qui sont dans le futur, il n'y a pas de peur dans le passé. Si tu as tendance à mettre ton attention sur les peurs, donc dans le futur, par cause et effet, tu vas faire du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Soyez honnête, hein? Si vous vous connaissez vraiment, vous savez que le stress, l'angoisse, l'anxiété vient prendre ici dans votre machine.